Je me demande de quand date tout ça. Ça a l'air vraiment ancien. Je ne sais pas. Je n'ai jamais rien vu de tel avant. À ton avis, c'est une sorte de dieu au milieu? Cette salle lui est dédiée? C'est toi, l'autre émissaire de feu. Qui es-tu? C'est le passé. Joshua! Arrête! Tiens! Arrête! C'est moi qui l'ai tué. Joshua avait fait de moi son gardien. Il m'a donné sa bénédiction. Et m'a demandé de le protéger. J'aurais dû le défendre ce jour-là. C'était mon devoir. Pardonne-moi. J'ai échoué. Et j'ai cherché ailleurs un coupable, comme pour me disculper de cette faute. J'avais peut-être peur qu'en l'admettant, j'oublierais jusqu'à son souvenir. Mais en fait, c'est moi-même que je fuyais. Et maintenant, es-tu prêt à accepter la vérité? Oui. Je sais que ce ne sera pas simple, mais il le faut. Je le fais pour Joshua. Je lui dois au moins ça.
Je dois affronter cette réalité. Ah!
Je vois. Tu veux me donner une bonne leçon. Tu t'inquiètes pour moi. Ça ira. Je n'ai plus l'intention de m'enfuir. Toi et moi. Alors. Il est temps d'accepter qui nous sommes. D'accepter le passé. Ah!
enfin la vérité. Ce n'est pas toi, Ifrit. C'est moi. Clive, tout va bien? Jill. T'en fais pas. Tout va bien. Je dois cesser de fuir. Je ne pense pas qu'il soit là. Allons voir dehors. Clive, tu es sûr que ça va? Tu as l'air bizarre depuis tout à l'heure. Je ne savais pas comment te parler de tout ça. J'avais beau savoir que j'étais un émissaire, je ne l'admettais pas. Et je voulais fuir cette réalité. C'est en venant ici que j'ai enfin pu l'accepter. Le primordial de feu, qui a brûlé cette forteresse et tué mon frère ce jour-là, c'était bel et bien moi. Oh, Clive. J'ai provoqué tant de morts cette nuit-là, et bouleversé tant de vies, y compris la tienne. Alors je dois expier les crimes que j'ai commis. Mais je veux avant tout des réponses. Pourquoi y a-t-il un second primordial de feu? Et pourquoi s'est-il incarné en moi? Et l'homme à la capuche qui me suit, qui est-il vraiment? Je veux savoir. Ce n'est sûrement pas un hasard.
si j'ai survécu après tout ça. Nous trouverons la vérité. Je t'aiderai. Moi aussi, je veux savoir. Et il ne sera jamais trop tard pour te racheter. Merci de ton soutien. Je me rends compte que tu n'as pas changé. Tu as toujours été forte. Même dans les moments durs. Tu as toujours su aller de l'avant. Détrompe-toi. J'ai bien changé. Je ne suis plus la jeune fille naïve que j'étais. Cette version de moi ne peut plus exister. Tu sais... C'est bien pour ça que je te comprends. Merci, Jill. Mais que fait-il ici ? Ce que j'avais ressenti au fort venait de là. Bon sang, je dois agir au plus vite.